La reprise des cours pour ce lundi 10 août en RDC a connu son activité académique chef-lieu de la province du Tanganyika. Voici toute son étendue. Après avoir été fermée, les écoles ont en fait ouvert leurs portes. Cette reprise a couronné des classes qui étaient à l'honneur, notamment la 6e primaire et la 4e des humanités ex-6e. Au Tanganyika, Madame la ministre de l'Éducation Natacha Moulongen-Pondo a lancé officiellement les go de cette reprise au lycée Amani avant d'effectuer une ronde dans de différentes écoles. Effectivement, nous sommes dans un contexte particulier de la COVID-19 qui nous a poussé à ce que nous puissions descendre dans les écoles, nous rendre compte si les mesures barrières sont respectées dans les différentes classes. Alors, au terme de notre visite, nous nous rendons compte que les mesures barrières sont respectées dans les écoles et le travail ne s'arrête pas là. Nous devons continuer à sensibiliser et appuyer nos écoles afin que les mesures barrières soient effectives dans toutes les écoles. La ronde effectuée par les cadres du secteur éducationnel avait des objectifs visés. Premièrement, lancer officiellement les go de la reprise puis s'enquérir de son effectivité. Natacha Moulongen-Pondo s'est félicité grandement de cette reprise des cours réussie au Tanganyika et les élèves tout comme les enseignants ont tenu prudemment au respect strict des mesures d'hygiène.